Ce voyage, prend des billes, marque à Baitul Muqaddas,
Bades, Jérusalem. On est bien, Maka, le bon petit à Maka, tu connais Maka, ça n'est pas là. Alors tu vis dans les salamines pour aller Maka, il n'a même pas eu le mot Bades. Jérusalem. Ça appelle ça l'Israël. Mais là, pour aller vivre avec le mot Bades, mon jusqu'à 7e ciel, ça appelle Miraos. L'ascension. Ça n'a appelé le voyage noble, le tueur. Ouais, d'après Sura, il y a Elisra. Sura, il m'appelle Elisra. Sura, il y a Israël, sur la 17. Appelez-le Israël, puis appelez-le Elisra. Il y a l'appel, Subhana, l'ami, Asra, bi'abdihi, Leila, il y a le masjid al-Haram, il y a le masjid al-Aqsa. Alors, l'ami d'Isra, qui a mis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son règne et son scène. Boura, c'était sa même créature qui Allah t'a envoyé avec Jibril alayhi salam. C'est lui-même monture, c'est lui-même moyen de transport. Loki, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compris bien, mais orange. Alors finalement, Boura, avec son règne et son scène, la scène veut dire ça qui est sur le croisé, oh là là. Sa reine, c'est sa sang qui met dans ce laguerre et cap de la mena. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit une difficulté pour monter au lit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait monter au lit, alors Boura fait agiter. Il y a un cheval, hein? Quand on parle de quelqu'un monte au lit, alors Boura fait agiter. Alors Boura fait agiter. Alors Jibril alayhi wa sallam finit d'y aller. Jibril alayhi salam, il adresse avec Boura, il dit Ali. Oh Boura, est-ce qu'il y avait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui devait faire ça? Alors Jibril, il réprimande. Est-ce qu'il y avait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui devait faire ça? Certainement, mais la personne qui fait le monde au toit plus noble auprès d'Allah qui lit. Jibril alayhi salam peut faire Ali, peut faire Boura pour lui. Mais la créature plus noble. Que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'a signé de tenir de alors la sueur a fini comment se couler depuis Boura. Transpiration. Boura qui commence à transpirer. Hadith rapporté dans Tirmidhi, hadith numéro 3556. Donc il veut montrer nous à faire sa hadith là, et montrer nous Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la lune. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur la lune. Quand Boura qui apprend qui est la personne la plus noble en la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui peut mis à s'envoyer, Boura qui calme lui, Boura qui soumet, Boura qui accepte Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce lieu. Donc ça nous fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'honneur qui a l'air de lui, valeur qui a l'air de lui. Deuxième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même celui créature plus chère à Allah. Peine à aucune créature dans sa terre qui est plus chère à Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ma frère et ma soeur, vas-y se faire les oreilles, écoutez. Essayez de contempler le Sabbat Hadith. Contempler et méditer en même temps le Sabbat Hadith là. Afin qu'il vraiment arrive à découvrir qui s'aime la salle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. S'ils ont dit autour de Sahaba et de la vie, à cause de ça, du monde là, comprend qu'il fait. C'est ça qui nous permet. Afin qu'il demain nous aussi, nous vive sa qualité du monde là pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, si même il y en a plus de la vie à cause de demain, la vie, disposition Allah subhanahu wa ta'ala pour défendre sa prophète. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le créature le plus cher et dit le plus aimé à Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith dit il y a plusieurs hadiths. Pour un qui a dit qu'il est plus commun là-dedans et qu'il est plus simple de comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire
dans Sahih Muslim, hadith numéro 4394, لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. Dire, si mon divisa prend quelqu'un parmi les habitants de la terre comme Khalil, qui dit Khalil? Khalil veut dire ami intime. Veut dire plus meilleur ami que vous capable d'être. Camarade le plus intime. Veut dire si mon tien a vous prend parmi les habitants de la terre, si mon tien a vous prend un quelqu'un le plus intime à moi, veut dire mon tien vous prend Abu Bakr. Ibn Abi Quhafa. Moi, tu prends mon camarade Abu Bakr comme mon Khalil. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit à mes seulement, ce compagnon, mais dit à moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'ami intime d'Allah. Vous déjà, il finit l'ami intime d'Allah. Allah finit pour moi comme ce camarade intime. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ami intime d'Allah. C'est là que tu gagnes sa petite langue. Ibrahim alayhi salam. Ma frère et ma soeur, troisième point. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'ils ont dit, où trouve ce nom, où trouve ce lami, où trouve ce sira, fin être connu dans le monde en entier, tout coin du monde côté la musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur popularité du présent. Alors, salam alayhi wa sallam, c'est Allah. Allah il donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus grande popularité qu'il n'y a pas de salam. Allah dit dans Surah 94, verset 4, wa rafa'na laka dhikrak. Et il nous fit élever pour toi ton réputation, ton renommée, ton nom. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit c'est une mine renommée. Il n'est pas fait une mine renommée par lui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait faire une mine renommée. Alors votre frère et votre soeur, et nous détruire les piladors pour avoir un ulama enseigné. Un petit monde quand on travaille pour Allah, quand on dédie une existence pour Allah, Allah de nous réputation, Allah lui de nous donner, Allah lui fait une renommée, qui personne ne peut être insane par pas faire. Mais quand un démon lui travaille, pour lui, il fait une renommée, il fait une réputée parmi un démon, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas filoulé, même qui quand il est dépensé, même qui niveau il atteint, il n'est pas pour gagner réputation si Allah va le prier, il n'est qu'à réputation. Qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était? Pose une question. Hein? Al-Yatim. Et Al-Yatim dans les pauvres arabes, c'est quelqu'un qui peut n'avoir pas valir. Mais pourtant, ça même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, guette quand il finit d'arriver. Guette l'eau qui sommet, il finit grimper. Allah subhanahu wa ta'ala finit donner parmi toute créature, pas parmi insan. Parmi toute créature, englobe toute créature qui est dans la terre, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait devenir une réputation parmi toute créature qui existait dans sa lumière-là. Jusqu'à ma frère et ma soeur, Rousse, tu connais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur réputation. Zanimo, tu connais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur réputation. Ban plan, ban zor. Tu connais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur réputation. Nous mettons un hadith devant nous. Parce que, Inch'Allah, nous terminons avec ça. Rapporté par Jabir bin Abdillah, il dit, nous devons retourner ensemble avec le messager d'Allah depuis un voyage. Jusqu'à ce que nous finissions côté de Zadeh, parmi les Zadeh, de Banu al-Najjar. C'est une tribu qui s'appelle Banu al-Najjar. Alors, je tiens un Zadeh, dans lequel tu as un chameau. Dans ce Zadeh-là, tu as un chameau. Que tu peux franchir le niveau qui est là que tu peux rentrer dans sa zone. Il y a un chameau là, il n'est pas tu peux capable de trouver personne dans sa zone. Le niveau qui est là qui rentre dans sa zone, il franchit aux yeux. Alors, ben là,
Il raconte ce cas-là à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrive que de s'asseoir derrière là-bas, alors maintenant je vais raconter ce cas-là à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait rentrer dans son derrière, il fait vite que de chamoula, il fait appeler le chamoula par les points appelés de Dieu. Il appelle chamoula. Chamoula fait vini. Chamoula fait vini vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'impose basou l'eau la terre, et il finit assise devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça voulait être fini. L'impose basou, bien sûr, la terre, il pose en bas de la terre, et il finit assise tranquille, silencieusement, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit dire avec un petit présent. Apporte un bris. Un bris veut dire la peau. Apporte un bris. Dans la fin d'amener, il finit en tasse. Sa chamoula dans son bijou. Bijou veut dire dans son, parce que la guerre, il y a la peau qui est attachée là. Hein? Autour, par exemple, un bœuf. Hein? Pour dire, mouri. Alors, il finit en tasse sa chamoula. Et ça, bris là, il attache sur la guerre. Autour de son bijou. Et il finit par faire la corde là, il remet sa chamoula à son propriétaire. Ensuite, il finit virer et il finit dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais il n'y a aucune créature entre les ciels et la terre, excepté qu'il y connaît, moi, le messager d'Allah. Mais il n'y a aucune créature, même sa pierre, vous pouvez trouver des mots. Même sa montagne là, sa oiseau là. Sa soleil, la salade, la sa étoile là. Paix n'a aucune créature entre les ciels et la terre, excepté qu'il y connaît, qui m'a le messager d'Allah. Écoute ça bien, mon frère. Écoute ça bien, les phrases de Sahara. Excepté ma désobéissance parmi ma djinn et ma insa. Il existe des catégories dans la création d'Allah qui ne sont pas reconnues moi comme messager de Dieu. Excepté ma désobéissance parmi ma djinn et ma insa. Il y a beaucoup d'informations. Alors, il termine avec une question. Est-ce qu'il ne t'a pas être parmi ma djinn? Reconnaître sa ressource de la soie du salaire, afin qu'il s'appelle les marques de l'île. La la illallah, Muhammadur Rasulullah. Voilà, accepter sa dénonce, reconnaître sa ressource de la soie du frère. Tombe dans l'obéissance de sa ressource. Mort de sa ressource. Vive pour sa ressemblance. Laisse sa lettre là, gagne l'amour qui vise pour sa ressemblance. Sallallahu alayhi wa sallam.